Je suis animatrice jeunesse, je suis une mascotte. Je vous dirai laquelle tout à l'heure, il y en a certains qui le savent, dites-le pas. Je suis animatrice radio, je suis journaliste culturelle, je suis blogueuse, je suis professeure de guitare. Bon, je vous ai amené un format réduit aujourd'hui. Je suis également musicienne, je suis professeure de théâtre, je suis metteur en scène. J'ai été duchesse de Limoilou pour la revengeance des duchesses 2015. D'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes pour 2016. Je suis pas mal de choses, finalement. Ce qui est ironique, c'est que j'ai pris congé pour venir parler de travail aujourd'hui. M'en donner, tu sais, hein? J'ai juste vérifié que j'ai pas oublié aucune de mes jobs. Ah, j'allais oublier. Je suis vendeuse chez Nutrafruits Canneberge aussi. j'ai pensé que c'était une bonne occasion de les plugger. Voilà. Et bon, évidemment, j'ai une question à vous poser qui est très importante. Au-delà de la mascotte que vous seriez si vous étiez une mascotte, parce que moi, la mienne, je ne l'ai pas choisie, c'est elle qui m'a choisie. J'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous allez faire, vous autres, quand vous allez être gras? Non, mais c'est parce que moi, je ne le sais pas encore, visiblement. Je le savais quand j'avais 5 ans, je voulais être chanteuse. Quand j'avais 15 ans, je voulais être une rock star. Et là, à 25 ans, là, j'ai envie d'être journaliste, animatrice radio, mascotte, blog. Bref, vous avez compris l'idée, hein? Alors, ça finit qu'à 25 ans, je sais beaucoup moins qu'à l'âge de 5 ans ce que je veux faire quand je vais être plus grande. Et je pense que c'est pas grave, mais je le sais ce que vous pensez, je le sais, je lis dans vos pensées, j'ai vraiment eu un mauvais orienteur au secondaire. C'est le genre de choses qui arrivent, mais écoutez, je pense que j'ai fait le test quand il a fallu que je sois au secondaire hein, pour faire les tests d'orientation, pour savoir ce que j'allais faire plus tard. Et le test m'avait donné, savez-vous quoi? Clown. Fait que là, je me suis dit, mon Dieu, c'est pas sérieux, ce test-là. J'aurais pas dû. OK. Alors, on a fini par être clown, hein, entre autres choses, avec beaucoup d'autres choses. Et je regardais les cheminements possibles. Quand t'es au secondaire, tu regardes ça, tu te dis, OK, je vais au cégep, je fais une technique, je fais un préuniversitaire, je fais un bac. Qu'est-ce que je fais dans la vie? On a 15 ans quand il faut deviner ça. On ne sait pas encore ce qu'on veut faire dans la vie. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça, mais on n'a pas le choix. On se fait pousser dans le derrière. En disant, t'as pas le choix, il faut que tu décides quelque chose maintenant ou tu prennes une année sabbatique si tu veux, mais il faut que tu décides, il faut que tu te lances dans la vie. Alors, t'essayes. Dans mon cas, je me suis essayée sur un deck, un préuniversitaire en arts et lettres théâtre à Rimouski, qui est le coin d'où je viens dans le bas du fleuve. Et j'ai bien aimé ça. Fait que je me suis dit, on va continuer à l'université. Fait que j'ai fait un bac en théâtre à l'Université Laval. J'ai bien aimé ça. Fait que je me suis dit, bon, ben j'ai gradué. Et là, après, tu te fais bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, bac en théâtre? Et là, tu étudies, t'es comme jamais sûr du domaine dans lequel t'es en train d'étudier, même que t'es jamais sûr du domaine dans lequel tu travailles. Et ça, je pense que si je suis pas toute seule à me sentir comme ça, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont étudié dans quelque chose dans lequel ils n'étaient pas sûrs? En levant la main, là, mettons qu'on vous voit, là, assumez-vous. Bon, comme quoi, on le sait jamais, mais il faut se lancer. Rendu le marché du travail, on fait ce qu'on peut. En ce moment, moi, j'aurais bien de la misère à me définir professionnellement. Je pense que, bon, ça prend au moins 2 minutes, essayer de dire qu'est-ce que je fais dans la vie. Est-ce que c'est
important? Est-ce que c'est essentiel de se définir par sa carrière? Est-ce que c'est essentiel de se définir professionnellement et de pouvoir dire « Moi, je suis ça dans la vie? » Je ne sais pas. Je pense que ce qui est important, c'est de se définir par ses passions. C'est kitsch au bout de dire ça. Mais c'est important de se définir par ses passions. Si passion égale travail pour vous, tant mieux. Parce que ça va faire que la ligne entre votre vie sociale, votre vie professionnelle et vos hobbies va être très, très mince. Puis vous allez avoir du gros fun dans la vie. Je me considère chanceuse parce que c'est mon cas. Ma vie sociale, c'est aussi ma vie professionnelle. Et à travers tous les emplois que j'occupe, j'en connais énormément du monde à Québec, du monde différent, du monde qui travaille dans différentes dynamiques, des gens qui travaillent dans un bureau, des gens qui travaillent avec un nid de clown dans un parc un après-midi de printemps. Toutes sortes de gens, en passant également par les élèves que j'ai dans mon salon et qui viennent religieusement chaque semaine prendre leur cours de guitare avec la reine de Limoilou, leur prof de guitare, qui est également une mascotte dont je tairai le nom pour l'instant. Reste que c'est pas facile de trouver sa voie dans la vie. Tu sais, c'est ça aussi, c'est un des grands objectifs de notre vie. Trouver sa voie, trouver dans quoi on est bon, trouver dans quoi on est bon et que ça donne qu'on aime ça aussi. Hein, parce que ça veut pas nécessairement dire que vous autres individuellement, votre travail, c'est aussi quelque chose dans lequel vous excellez. Puis c'est quelque chose dans lequel, sérieux, c'est très très rare que ces trois astres-là s'alignent. C'est excessivement rare. C'est pour ça que moi, j'ai pas pris de chance. Tu sais, j'en ai pris plusieurs. Je me suis dit, il y en a un dans la gang qui devrait faire la job. C'est qu'il y a plusieurs choses aussi qui expliquent qu'on est, qu'on a plusieurs jobs. Je repose une question à vous, cher public attentif. Il y en a combien qui, en ce moment, occupent plus d'un emploi à la fois? Il y a pas mal de monde quand même. Je vais lever ma main aussi maintenant. Il y en a combien qui en ont peut-être un seul en ce moment, mais qui en ont déjà occupé plusieurs à la fois, peut-être pendant leurs études? Quand même, ça arrive à la très, très grande majorité du temps ici. Pourquoi est-ce qu'on occupe tous ces emplois-là? Bien, souvent, c'est par nécessité, parce qu'il faut payer les billes, parce qu'on a une session à payer, parce qu'on a un loyer à payer, parce que les conditions de travail en ce moment ne sont peut-être pas idéales. Il y a aussi le fait qu'il y a l'éclatement des domaines. En ce moment, il y a énormément de compagnies qui veulent offrir de plus en plus de services. Et là, je sors complètement de mon domaine à moi parce que clown, bon, on offre un service qui est de faire rire les gens. Guitare, on offre un service qui est d'apprendre à jouer de la guitare aux gens. Mais dans les compagnies qui engagent, on demande aux gens d'être de plus en plus polyvalents, de plus en plus performants, de savoir tout faire. Si on se spécialise dans un domaine, à l'heure où on est, pour les gens qui ont mon âge environ, ou les plus jeunes qui sortent sur le marché du travail, être spécialisé dans une seule chose, c'est presque impossible. Parce qu'on nous demande de tout savoir faire tout le temps. J'ai commencé comme journaliste et on m'a dit « Ah, mais il faut que tu prennes des photos. » Je fais « Comment il faut que je prenne des photos? J'ai pas d'appareil. » Ben tu vas t'en acheter un, puis tu vas prendre des photos, tu sais. J'ai fait « Ah, OK. » Fait que c'est comme ça que ça marche. Fait que c'est comme ça que tu t'arranges, tu arrives dans le marché du travail, on te dit « ça va être comme ça, tu vas devoir faire ça, 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 ça ». Et même si tu ne sais pas le faire au moment où on te demande de le faire, tu vas finir par devoir savoir le faire. Donc, c'est un peu ce qui explique qu'on développe autant de compétences, soit qu'on le développe parce que la vie nous le demande, soit qu'on le développe parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on doit le faire. C'est un peu ça. Donc, les autres tâches connexes ont le dos excessivement large sur le marché du travail par les temps qui courent. Il y a la précarité de l'emploi, j'en ai parlé tout à l'heure. Si tu n'es pas bon dans tout, si tu ne peux pas occuper 3-4 postes en même temps, la job de 3-4 postes en même temps en ces temps difficiles d'austérité, ben ça se peut qu'on te flush, ça se peut que tu sois remplacé par quelqu'un qui sait tout faire. Et ça, c'est très, très, très difficile sur le marché du travail en ce moment. Il y a une énorme pression qui vient avec ça. Et quand on a plus d'une corde à son arc, on la ressent un peu moins, cette pression-là, parce qu'on se dit... Je suis capable de faire plus qu'une affaire pour vous autres. Je suis un outil, je suis une femme, je suis un couteau suisse. C'est un peu ça l'idée. Reste que la raison pour laquelle moi et peut-être d'autres personnes se ramassent avec plusieurs emplois comme ça, c'est parce qu'on est sorti du secondaire à 15-16 ans et qu'on a été paralysé devant l'infini des possibles. Est-ce que je suis toute seule à qui c'est arrivé? Ah, voilà. Parce que c'est très rare de sortir du secondaire, à part si notre père est médecin et qu'on a décidé que... En fait, il a décidé pour nous qu'on allait être médecin ou peu importe, c'est de père en fils, peut-être qu'on a une passion. Bref, c'est rare.
Et ben, ça m'est arrivé, moi, de me dire que je suis bonne dans rien en particulier, je suis mauvaise dans rien en particulier, puis ben, j'ai le goût de tout essayer, finalement. C'est un peu ça qui est arrivé. À ce moment-là, on se dit qu'on fait partie de la génération « Vie tes passions », hein? C'est le fun, ça, faire partie de la génération « Vie tes passions », parce que, bon, ma mère, moi, est infirmière. Donc, elle était carriériste, elle a étudié longtemps, elle a eu une famille alors qu'elle avait une job solide. Hein, on sait que les infirmières sont pas du tout en grève par les temps qui courent. Reste qu'elle a voulu étudier longtemps, réussir dans la vie pour elle, c'était très important. Maintenant qu'elle le fait, elle se dit « Mes enfants, ils feront ce qu'ils veulent, c'est important ». Donc, on a valorisé ça pour ma génération à moi. Je suis 90, mais je pense que génération, c'est très, très large ici. On a valorisé le fait de vivre nos passions, d'aimer ce qu'on fait, de triper dans la vie davantage que d'avoir une réussite professionnelle ou d'aller loin. Et là, vivre ses passions, c'est le fun, mais ça engendre une certaine insécurité dans la vie. Ça dépend c'est quoi ta passion, mais en tout cas, la mienne, c'était pas clair. Puis, en tout cas, tu arrives sur le marché du travail, tu fais ton DEC, tu fais ton bac, et là, tu te dis « What now? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que je sais faire? À quoi je suis bonne? Il faut que je me trouve une job. » Et je ne vous cacherai pas qu'en sortant d'un bac en théâtre, c'est pas là qu'on a le plus de téléphones. Hein? C'est pas là que les gens font « Émilie, j'ai absolument besoin d'une dramaturge pour ma prochaine pièce. » Non, ben non, il faut que tu cours après. Il faut que tu cours après les emplois. Et qu'est-ce qu'ils peuvent être, les emplois? Ils peuvent être connexes à tes études. Ils peuvent ne pas l'être du tout. On ne sait pas ce que nous réserve le hasard de la vie. Reste qu'il faut que tu te mettes le radar à on. Tu sors de l'école et là, t'es vraiment une bête qui traque sa prochaine proie comme un prochain emploi. Il faut que tu regardes partout, que tu sois ouvert large comme ça et que tu dises oui à presque toutes les propositions. Et ça, c'est vraiment ça qui est important dans le domaine des passions. Hein? Parce que le taux de placement dans le domaine des passions est de plus en plus tout petit. Est-ce qu'on travaille beaucoup par nécessité après ça? Au début, oui. On dit oui, on dit oui, on dit oui, on dit oui. Et là, on dit OK. À partir d'un moment, tu dis OK, ça va. Je suis capable de passer à travers la semaine, le mois. Et là, à un moment donné, tu te rends compte qu'à force de dire oui, tu ne peux pas arrêter ça. Les gens, ils continuent de te demander parce qu'ils se disent « Ah, oh, mais elle a dit oui tout le temps, elle va dire oui à mon affaire, tu sais. Je vais lui demander, elle sait faire ça, elle. Ah oh, oui, je l'ai vu dans tel projet, j'ai le goût de travailler avec. » Là, tu te ramasses à devoir dire oui à tout le monde. C'est comme une grosse boule de neige géante que tu ne contrôles plus au moment donné. Tous les gens veulent que tu leur dises oui. Ben, c'est stressant, hein, parce que tu ne suffis peut-être pas à tous ces gens-là qui te demandent d'être là. C'est stressant d'être à contrat aussi parce que tu te dis « Peut-être que la semaine prochaine, j'aurai plus rien. Peut-être que le mois prochain, j'aurai plus rien. Il faut que je dise oui maintenant parce que ça me prend des sous, parce que peut-être que dans un an, ça va être le calme plat. » On a toujours cette insécurité-là en tête qui fait qu'on dit oui à tout, qu'on ramasse des projets et qu'on dit « Ah, je vais essayer ça. » Qu'on dit à Jacques Blanchet, qui te demande de venir faire une conférence, « Ben oui, je vais essayer ça. Je ne l'ai jamais faite, mais coudonc, ça n'a pas tué personne. » Ça m'a fait de la job en plus de plus. C'est épouvantable. C'est important aussi, quand peu importe le domaine dans lequel tu travailles, d'aimer son travail. On le dit toujours, ça c'est encore une fois, c'est un peu un long laïus qui définit ça. Mais c'est important d'aimer ses collègues aussi, parce qu'on passe 60% du temps avec eux. D'ailleurs, je salue mes deux collègues dans la foule ici. Bonjour, cheese. On a plusieurs aussi avec qui je travaille ici que j'aime beaucoup, mais c'est important d'aimer sa job, d'aimer ses collègues, de se sentir utile aussi. Je pense que c'est l'affaire qui est primordiale, peu importe le travail, c'est de se sentir utile où on est. C'est d'avoir une job qui correspond à notre personnalité. Quand tu as un problème de personnalité, tu as plusieurs jobs parce que tu as besoin d'avoir un peu de tout pour combler tout ce dont tu as besoin, finalement, pour te sentir utile. Tu as besoin de travailler sur plusieurs terrains, tu as besoin de te tester, d'essayer de voir si tu es capable de faire ça, si tu es capable de faire ça. Et quand tu te rends compte que oui, la fierté qui vient de ça, le bonheur qui vient de ça, la confiance qui émane de ça aussi,
C'est assez formidable. Donc, moi, je peux juste vous inviter à le faire, à essayer des affaires, à dire oui, à vous tester le plus possible et à voir finalement que probablement que vous ne vous cassez pas la gueule avec ça puis que vous allez en ressortir avec une corde de plus à votre arc, avec plus de monde que vous allez connaître, avec une vie encore plus tripante finalement. Vivre avec des gens qui ont ce tempérament-là dans la vie, c'est pas facile. Non, mais c'est un aspect important quand même parce qu'on est plusieurs. Hein? Je le sais que je suis pas toute seule, donc prenez des notes, les gens qui en connaissent, OK? C'est pas facile de vivre avec nous parce qu'on a des horaires pas possibles. On travaille la fin de semaine, on travaille le soir, on n'a jamais de temps pour nous autres, c'est l'enfer. Mais on en trouve, parce que c'est important d'en trouver, j'y reviendrai. Il faut que vous soyez aussi occupés que nous si vous voulez être capable de nous suivre. Ou sinon, que vous soyez capable de vous désennuyer. Attendez pas après nous autres, parce que nous autres, on n'a pas le temps d'attendre. Donc, c'est important de suivre ce pas-là, ou sinon, d'être patient, de dire, mon ami, mon chum, ma blonde, c'est pas parce qu'elle m'aime pas, qu'elle me donne pas de temps, c'est parce qu'elle en a trop dans la tête. Mais soyez patient, occupez-vous, le temps viendra à un moment donné où la personne, moi, s'arrêtera et prendre le temps de vous parler, c'est garanti, et ben, vous allez vous sentir très important à ce moment-là. Le travail a beaucoup de réputations différentes. On dit que le travail, c'est valorisant. On dit également que le travail, ben, c'est quelque chose qui occupe trop de place dans nos vies. On entend souvent, celle-là, est-ce qu'on travaille trop, est-ce qu'on occupe, le travail occupe trop de place? Ça dépend des générations, ça dépend des points de vue. Moi, je me suis fait dire que j'étais un bourreau de travail. Ça doit être plate, ta vie, toi. Bourreau de travail, c'est parce que tu t'infliges de travailler. J'espère que vous ne vous infligez pas de travailler, là. Parce que, bon, oui, c'est important, oui, il y a une nécessité là-dedans, mais il ne faut jamais que ton travail soit quelque chose que tu t'infliges dans la vie puis que tu deviennes un « workaholic ». Puis un bourreau de travail, parce qu'à un moment donné, ça va devenir trop et t'aimeras plus ça. Et t'aimeras plus tes collègues. Puis comme je l'ai dit tantôt, ça occupe 60% de ta vie. T'es mieux d'aimer ça. Parce que sinon, ça va se refléter sur ton humeur et sur pas mal tout, en général, dans ta vie. Admettons, là, t'es travailleur autonome. Y en a-tu ici des travailleurs autonomes? Y en a quand même pas mal. On a peut-être des to-do list dans notre tête ou marqués, hein, des listes de choses à faire qui ne font que se rallonger de jour en jour, de minute en minute, qu'on traîne avec nous dans notre tête ou dans notre poche avec notre cellulaire qui nous suit partout et qui nous rappelle à chaque instant qu'on a des courriels qui sont en train de rentrer et qu'il faudrait donc y répondre. Et c'est quand on est débordé que la to-do list est à son maximum, qu'il faudrait donc travailler là-dessus, qu'on a le goût de s'asseoir puis d'écouter Breaking Bad sur Netflix. Et là, ça, tu fais ta brassée de foncer, tu réponds à des courriels, t'es chez vous, parce que souvent, un travailleur autonome, ton bureau, ben, il est chez vous. Et là, ça te tente, c'est beaucoup là, de rien faire, ça te tente encore plus de procrastiner. Il y a une chose à faire à ce moment-là, il y a une seule solution. Évache-toi sur ton divan, puis regarde Netflix. C'est juste ça qu'il y a à faire, c'est important de le faire, puis de ne pas se sentir coupable. Faites-le, prenez le temps de relaxer, d'aller prendre un café, d'aller prendre une bière. Votre to-do list, là, elle va attendre, c'est pas grave si vous la clenchez pas. S'il y a quelqu'un qui vous revient en vous disant « Ouais, t'as pas fait telle affaire », ben écoute, vous lui prêterez votre vie 30 secondes, là, puis après ça, il vous reviendra. C'est important de se garder du temps pour avoir un équilibre mental qui se peut, de prendre le temps de triper et de prendre du temps pour soi et de ne pas se sentir coupable. Parce que pour vrai, ben c'est là que vous allez gâcher votre fun, finalement. Fait que prenez le temps de rien faire, des fois. Regarde ce qu'il parle, là, mais... non, mais c'est important. Netflix, c'est important. Donc, le travail... OK. Le travail occupe-t-il trop de place dans nos vies? Il occupe la place que tu veux lui donner, le travail. Si tu sens que le travail te bouffe, remets-le à sa place. C'est vraiment toi qui choisis là-dedans. Le travail, il va occuper la place que ça va te tenter qu'il aille dans ta vie. C'est encore plus vrai dans le cas des travailleurs autonomes qui font beaucoup, beaucoup de choix à chaque jour en lien avec ça. Tu as le courriel dans tes poches qui te dit « Hey, hey, vous avez 25 courriels non lus. Ça fait 30 minutes que tu les as répondu. » C'est assez stressant tout ça, mais il faut décrocher, il faut avoir la vie sociale. Je veux dire, occupez-vous de votre chien, faites des enfants.
Pas oublier dans tout ça que même si on est des carriéristes, qu'on veut tout essayer, qu'on veut tout tester, il y a autre chose dans la vie que ça. Et faut essayer de remettre la main dessus et de pas lâcher avant qu'on se fasse trop entraîner rapidement dans une espèce de grosse démêlée où finalement on verrait plus personne sauf nos collègues de travail. Je sais pas si le travail amène le bonheur, mais j'espère que le bonheur il est dans votre quotidien. C'est un peu ça que j'ai répété tout le long de la conférence, mais sinon il est pas trop tard pour essayer de changer, de tester des affaires, de prendre une journée de congé par semaine à la job si vous pouvez, et de s'en servir de cette journée-là pour faire autre chose complètement, de vous impliquer, d'essayer, de regarder les opportunités autour de vous autres, puis de faire « Ouais, ça me tente, j'ai pas le temps, puis je vais le faire pareil. » Parce que sinon, ben, vous allez vous cantonner à dire « Ah, oh, mais j'ai pas le temps. Ah, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps de faire ça. » Pire phrase du monde. Je la dis toujours. « Ah, j'ai pas le temps, mais je vais le faire pareil. » C'est toujours après « j'ai pas le temps » qu'il faut avoir « Mais je vais le faire quand même. » Il faut l'essayer. Au pire, on ne sera pas capable. Mais il faut l'essayer, je pense. Sinon, ce qui me reste à vous dire, c'est que si la vie va trop vite, bien, c'est à vous autres de courir plus vite. Puis si vous trouvez si vous trouvez qu'elle va trop vite pour vrai pour vous, bien, partez à course après, pognez-la par le collet, puis dites-y « Hey, on va slacker un petit peu. » C'est vous autres qui avez le choix là-dessus. Quand j'avais 15 ans, je voulais être une rock star. Puis, ben, je suis contente parce que j'ai un peu trouvé ma voie en tant que rock star. Il faut être une rock star pour soi-même. Il faut se trouver hot. Il faut se trouver vraiment trippant dans la vie en regardant ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire. C'est ça l'objectif d'un travail, je trouve. C'est de se trouver trippant comme individu. C'est de dire « Hey, je suis capable de tout faire ça, moi. » Je suis vraiment une rockstar. Je suis vraiment quelqu'un qui est capable de se dépasser, d'être fier de soi. Ça va vous donner le kick qu'il faut pour avancer. Et je pense que vous l'avez déjà, à quelque part de vous, même si on est fatigué des fois, même si on a hâte que le congé de Noël arrive. En tout cas, moi, j'ai hâte. C'est important de se redonner ce kick-là, des fois. C'est pas grave de ne pas être certain de ce qu'on fait dans la vie. C'est pas grave non plus d'essayer des nouvelles affaires à 15 ou 55 ans. C'est pas grave de ne pas être certain. C'est pas grave de faire des retours aux études, au contraire. C'est pas grave de se tromper non plus. On a toujours le choix dans la vie de ne pas faire de choix. Et ben, les choix que vous allez faire, ça va dépendre de la grosseur de votre boîte. À vous autres. C'est tout. Il y a une mise en scène. Merci.